Implantée entre mer et montagne dans la plaine d'Ishikari, Sapporo est aujourd'hui la cinquième ville du Japon en termes de population, avec près de 2 millions d'habitants. Développée à partir de 1868, Sapporo a accompagné la colonisation de l'île d'Hokkaido, opérée par les Japonais à la fin du 19e siècle. Il s'agissait alors de neutraliser toute velléité russe de contrôle sur l'île, mais également de faire de celle-ci un grand territoire agricole. Ville dynamique et prospère, Sapporo est aujourd'hui une capitale dont l'activité reste en partie orientée vers la transformation et la vente des produits agricoles issus de son vaste arrière-pays et de ceux de sa façade maritime. Au marché central de gros de Sapporo arrivent et se négocient ses produits, notamment les fameux thons rouges. Leur précieuse chair est à la base de certaines préparations traditionnelles de la gastronomie japonaise, comme le sashimi, et à ce titre très recherché. Créé en 1959, le marché de gros de Sapporo occupe une surface de 13 hectares. Plus de 3000 personnes y œuvrent 5 jours par semaine, à réceptionner, préparer, vendre et expédier les quelques 1600 tonnes de marchandises qui y transitent presque quotidiennement. Les enchères constituent l'un des moments forts de la vie du marché et l'on s'y presse pour vendre et acheter au meilleur prix les plus belles pièces. Celle des poissons et des crustacés ouvre le bal dès 6 h du matin.